Vous rendre dans le monde au-delà de la terre et des cieux signifie ne plus pouvoir retourner dans le monde d'où vous venez. De continuer que si vous êtes certain d'être prêt. Ah. On sait pas qu'il y en aura un autre encore. Eh, hey, t'es où? Non, j'ai pas gardé Idun. Ça va être rigolo, ça. J'en ai un autre, c'est qui? Norn, elle pue des pieds un peu, quand même. Ah, elle a des bonnes résistances. Pas forcément suffisante, mais ça va. Du coup, elle aura pas d'attaque, c'est pas grave. Ah, y'a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, j'ai mis le playroom de choc. Voilà ce qui va pas. Voilà. Bah, va faire que ça, hein, soit. Bon. Allons voir ce fameux Michel. Où est-ce qu'il est? C'est lui à l'entrée là? Le bonhomme à qui il faut parler? Je vais peut-être essayer de la passer 99. Maïleuse. Pour ça, faut que j'active le... les Mitama. Ils sont déjà augmentés, j'en croise pas parce que... parce qu'on est dans l'Empyrée. Je pose pas de questions, vas-y, Amanozako, mais non, elle est nulle. Merci pour ton aide. Grâce à tes efforts pour rassembler la puissance des trois anges, le seigneur Michel a été ressuscité. Il se trouve au temple de l'éternité. Nul doute qu'il te bénira de son pouvoir. Je t'en prie, à toi d'aller le retrouver. D'accord. Non, Manuzako, elle pourra me servir de support heal, effectivement. Alors, où est-ce qu'il est, ce Gugus? Il est là. Naobino, violateur de la condamnation du Seigneur. Je suis Michel, un angélique au service de Dieu. Melchisedec m'a beaucoup parlé de toi. Je dois te remercier. Tu as accompli tant de choses pour moi. Sauté. Tu désires préserver le monde. J'accepte donc de te prêter ma puissance. Mais d'abord, j'ai un service à te demander. Oxy Belial, le dragon rouge. C'est un affreux monstre. Il était jadis un ange, lui aussi, mais a choisi de s'éloigner du chemin vertueux. Il détient des pouvoirs si terribles qu'il a décimé deux villes entières. Mais toi, tu as la puissance de vaincre ce tyran. Acceptes-tu? Veux-tu vaincre Belial? Ouais. Gloire à toi. Béni sois-tu. Tu dois te frayer un chemin jusqu'au Chakan. Le lieu a été envahi par les démons. Belial, le dragon rouge, a l'arrogance de chercher le sanctuaire interne. Va, et prends garde, il doit périr. Chakan. J'ai pas de place dans mon groupe. Si, j'ai une place, c'est bon. De toute façon, j'ai pas prévu de faire de fusion là. Bon, on le récupère et puis après, go la fin. Je vais pousser un peu ce soir pour tenter de terminer le jeu. Je sais pas si ça passera, mais. C'est ici apparemment. Bah oui, y'a rien d'autre. Une petite save.
Ça m'embête, c'est la seule à être 90 dans mon groupe. C'est plutôt en haut, hein. Yes. Oh, qu'il est moche. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Le Naobino légitime, qu'est-ce qui t'amène sur ces terres sacrées? Laisse-moi deviner, ces anges t'ont envoyé ici pour me tuer, je me trompe? Bien qu'aujourd'hui déchu, moi, Bélial, étais aussi un ange autrefois. Je sais très bien ce qui leur traverse l'esprit. Tu tombes à pic. Je venais voir si les anges avaient laissé des petites choses derrière eux, mais pour l'instant, mes efforts se sont révélés vains. Montre-moi la puissance d'un Naobino, celle d'un vrai dieu. Je brûlerai ton être tout entier hors de l'existence. Toujours des promesses. Bon, déjà, si tu résistes pas au physique, mon pote, t'es mal barré. Oh, il s'est bouffé un mirage. Ouais, ça suffit en fait comme soin, ça. Merci. Ouais, c'est juste un petit peu embêtant de pas avoir d'attaque, mais bon. C'est ainsi. Ah ouais, d'accord. Bon, de toute façon, il ne fera pas grand-chose, je pense. Ça a l'air mal barré pour lui. Au moins ça, pour pas le rater, même s'il y a peu de chance. Tiens, faut que j'en rachète des gemmes avant d'enclencher le boss là. Oh bah ça va pas te servir à grand chose ça. Ah bah tiens, deux grimoires, c'est bien. Voilà donc le pouvoir d'un Naobino. Ça suffit tous les deux. Naberius, tu oses te mettre en travers? Bélial, je ne peux permettre à ce Naobino de te tuer. J'ai entendu dire qu'il possède des techniques des ténèbres avec lesquelles il parvient à fusionner les démons. Je ne te laisserai pas tomber entre les griffes du Naobino. On dirait que notre escarmouche a été reportée, Naobino. C'est dommage, vraiment dommage. Avec un tel pouvoir à ta guise, tu pourrais facilement créer un monde selon tes propres désirs. Notre duel reprendra quand le monde aura été recréé. Nous ferions mieux de partir. Bah, à plus, hein. On va aller choper 2-3 bouquins vite fait, puisque c'est speed, histoire de passer bah, mon dernier bonhomme en 99. Peut-être, si je les bute tous. Pour ça, j'ai le bonhomme parfait. J'invoque... Où est-ce qu'il est ? Konsure.
Katekoi. C'est beau, hein. Ah zut. Yoroshi. Yoroshi Deska. Utilisation multiple, let's go. J'en ai encore deux. À qui on les donne? À toi? Oh, la vilaine faiblesse. C'est pas beau, ça. Mais vas-y, c'est cadeau. Voilà qui est fait. Je refais mon groupe. C'est pas lui. Je le trouve très utile, Mephisto, quand même. Mais je pense que le prochain boss, il va résister un petit peu à tout. Donc là, ça va être plus complexe de placer des choses. C'est ça qui va être long. C'est parce qu'on pourra pas buff, on pourra pas débuff. Enfin, il va tout faire sauter, quoi. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Les potentiels, c'est très important. J'ai failli zapper. Guérison. Ah oui, ça va nettement réduire le coût en PM là. Assistance, elle a rien, je crois. Si, coupe Digi. Ça va passer à 11. Toujours ça de prix. Hein. Calamité, potentiel d'altération. Non. Absolu. Oui. Ouais. Catastrophe, on peut le réduire. Combat. C'est vrai, tout ça, c'est des petits bonus non négligeables. Hein. Ça réduit à mort les PM utilisés, quoi. Bon, après, il y a d'autres trucs comme la force, tout ça, mais bon. Là, je les mets pas. J'estime que c'est pas nécessaire. On verra bien. Qu'il était l'autre Gugus, il était à l'empiré à l'entrée. Non? Attends. La quête, elle serait déjà complétée? Retournez voir Michel. Ah non, c'était Michel. C'était à Chakan. Attends, non. Putain, je sais plus. Temple de l'éternité. Je vais y arriver. Je confondais avec Belial. Je te félicite. La présence infernale du dragon rouge a disparu. Je sens que tu as réussi ta mission. Comme je le pensais, tu es celui qui préservera le monde de notre Seigneur. Merci, Mich Mich. La réunion des quatre séraphins permet d'utiliser la compétence Magatsui Colère Divine. Ok. Comme promis, je te prêterai volontiers mon pouvoir en bataille, prêt à obéir à tes ordres. Bah bienvenue mon gars. Hein. ...90, ça va pour lui hein. Ouais, il a des bons trucs hein. On voit feu. Après ça fait chier parce que ça prend un slot.
Mais bon. C'est ainsi. On devrait pouvoir s'en passer. Bon, cette fois-ci, direction le throne. Désirez-vous vous rendre dans le monde au-delà de la terre et des cieux? Vos actions ont créé un changement de taille dans le phénomène de transcendance. Il semblerait que vos pensées puissent influencer l'existence d'un être transcendant opposé. Comment percevez-vous cet être? Un être puissant? D'accord. Vous avez choisi quoi? Un être puissant ou extrêmement puissant? Et sur quoi ça joue? その知恵を食らって事象の存在へと至った。そしてこの世界を理解したのだ。世界は繰り返す。時が経てばまた新たなダートが現れ、王座を追われる。その時その世界の名ほびのが貴様を倒して王座を奪うのだ。 Bon, tu peux me rendre Tao, s'il te plaît? Merci. Évidemment résistance, ça. Et ça m'étonne qu'à moitié. Ah oui, avant ça me coûtait 50 ça. Là c'est 35. Bon, ça je suis quasiment sûr qu'il va y résister. Ah, bloqué. そして一つの決に至った。私を倒し知恵を喰らえ。そうすればマンダラの法則から脱却ができる。私はそのために事象となった。凍てつけ。Oui, j'ai pas de résiste glace sur Mephisto. Comme par hasard. Bon, il a pas l'air d'avoir énormément de points de vie.
On va voir ça. Non, ça va. Mais il y a peut-être une autre forme ou un truc dans le genre. Alors, est-ce que j'essaye ça pour voir à quel point ça va au-dessus? C'est pareil en fait, il y a une limite au final. Ouais, il a pas de faiblesse. Par contre, l'ombre, ça passe. Ok. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Si l'utilisateur ne subit pas de dégâts lors d'un tour, ajoute une icône d'action au début du prochain tour. D'accord. Donc, faut toujours le taper, quoi. En gros, après son Megatsui, il aura une action supplémentaire. Et il a ça. Donc, il va certainement l'utiliser sur le Megatsui. Ou peut-être ça. On verra. Augmente la défense au max pendant 3 tours. Bah ça, faudra le faire sauter peut-être. A voir. Du coup, à part les crits, on peut pas trop compter sur autre chose pour gagner des actions. Hein. Et c'est déjà pas mal. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je me doutais que ça craignait un peu la glace, mais... Ok. C'est pas avec lui que je vais réussir à faire des giga dégâts, mais bon. Quoi? Attends, quoi? Comment ça, il craint le feu? Mais t'es nul, mec, tu t'appelles Lucifer, tu crains le feu? Mais attends, c'est à cause de ça, en fait. D'accord. Et là, il va récupérer. Ça résiste. Et je pense qu'il va aller mieux le péter, ce machin. Je pense que c'était préférable. J'ai pas spécialement envie de voir ce qui va se passer, en gros. Alors, je vais garder mon truc. Et je vais faire ça. Lucifer craint le feu. Ouais, t'as vu, c'est la loose. Hein. Tocard, là. Pourquoi il met pas son plus de def à chaque tour? Bah parce que j'arrête pas de le saouler. Voilà pourquoi. Parce que t'étais trop sur la défensive dans ton combat. Salut Pili Pili, tu débutes sur le jeu? Et ça se passe bien? Alors, récupération moyenne. Est-ce qu'on met ça? Oui, pour passer au-dessus des 1000 points de vie. Comment vous répartissez les stats, full magie ou physique? Alors moi, je suis plus de l'école physique. Après, tu peux faire un personnage polyvalent. Hein. Par contre, il faut pas mettre que de l'attaque magique ou physique. Il faut aussi mettre de l'agilité et de la vitalité. Sinon, tu vas te faire ouvrir en deux. À mon sens. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas. J'ai pas fait beaucoup de game over sur le jeu quand même. Est-ce que je peux virer ça? Non, j'ai plus rien, je crois, pour virer ça. C'était là. Il manque un objet ici, en fait. Ok. Du coup, on va le faire sauter autrement, ça.
Mephisto va me servir. Il va plus me servir tellement. Ouais. La vitalité, ça réduit les dégâts que tu vas prendre. L'agilité, ça te permet d'esquiver et de toucher. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Contre-attaque divine, ça réduit l'attaque. C'est pas mal, ça. Mais est-ce que j'ai un truc pour virer la défense ? Ça va peut-être m'obliger à sortir un personnage qui pue des pattes. Lui, il a ça avec transpercement, mais comme il absorbe le feu, bah, c'est pas fou. Et Michel, Mich, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bof. Métatron, il a des Kaja, c'est parfait, c'est lui qu'il me fallait. Ok, Artemis, non. Artemis, c'est fini, mon gars. C'est terminé, mon pote. Ah bah tiens, il a fait ça sur le bon bonhomme. Hein. Tant pis, je vais perdre l'esquive, mais je comptais pas réellement dessus de toute façon. Oh, c'est beau. Glace prodigieuse. Bon, niveau PM, je suis bien, ça va tenir. C'était ridicule, ça. 5000, ouais. 2 étoiles. Ouh là là, ça commence à puer les pattes, ça. Alors ça, c'est une étoile. Semblerait-il de glace. Ouais. Parce qu'il a perdu 2 trucs. Je sais pas quoi faire. J'avoue, j'hésite. Et dans le doute, je préfère les casser. Je peux attendre pour le dernier. Quand il en reste 1, 2, 3, ok. Je fais pas assez mal là. Oh, c'est nul. Ok. Et bientôt le Magatsui. Heureusement que j'ai des attaques d'absolu quand même, hein. Mais là il me manque quand même des buffs. Hein. J'en ai pas. Des buffs d'attaque, tout ça. C'est très embêtant. On va quand même faire un petit soin pour remonter Métatron. Oh, c'est dommage. Ça tombe vraiment pas au bon moment. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ou alors j'attends le prochain tour pour lui balancer. Ouais. Faut que je fasse sauter ça, ce serait trop dommage là. Mais non, je suis trop bête. Je suis trop bête. Je sais comment je vais faire. C'est bon, j'ai branché mon cerveau. Encore faut-il que ça passe. Donc on va faire ça. Ça.
T'as eu chaud, mon pote, hein. Oh, je soigne même pas, tocard. Tiens, tué par le healer. La honte. Dekashitazo. Aratana Ouyo. Wana Korayo. Ah ouais, ça y est, c'est fini. C'est comme ça la fin ordre. Évidemment, elle est très différente de mes souvenirs avec la version originale où j'avais fait la destruction du trône. Mais là, on est sur un run vengeance, hein, on n'est pas sur un run classique. Et l'idée, bah, c'est quand même de refaire un run classique et cette fois-ci de vaincre Shiva comme je l'ai fait là pour la partie vengeance. Mais afin de débloquer vraiment... la fin, on va dire bonus, je sais pas si on peut dire la vraie fin, parce que dans Shin Megami Tensei, il n'y a pas vraiment de vraie fin, je crois. Oui, je présume qu'il y a une scène post-crédit. Dans tous les cas, j'ai passé quasiment un mois sur le jeu, en fait. Hein. Ça fait un peu plus de 3 semaines, je crois, que je suis dessus. Peut-être que je me trompe. Après, j'ai fait beaucoup de soirées off, contrairement à d'habitude. Donc évidemment, ça fait 3 heures par-ci, 3 heures par-là de moins. Mais vraiment, un jeu exceptionnel, hein. Il dégage une ambiance, il y a un OST de malade, le gameplay c'est toujours aussi plaisant, j'ai passé 70 heures sur un gameplay, je me suis pas lassé un seul instant. Et juste sur les derniers boss, en fait, je l'ai trouvé beaucoup moins balèze, alors peut-être est-ce dû un petit peu au niveau, et puis évidemment les annulations, tout ça, mais beaucoup moins balèze que Shiva et Tiamat. Ouais, les deux derniers étaient un petit peu plus simples, je trouve. Bref, mesdames et messieurs, on s'arrête donc là pour les lives sur Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Je ferai certainement un run en New Game Plus de mon côté afin de débloquer la fameuse fin sur le run classique dont je vous parlais. Mais on se fera peut-être un live justement sur cette fameuse fin, que vous puissiez la voir avec moi. J'en suis à 50 heures dans les menus, effectivement, Nanatoro. C'est ça, dans tes rêves. Pour ceux qui seront là, demain on se fait une petite soirée découverte d'un petit projet Kickstarter. Ça durera environ 1h30 d'après les devs. Et puis on verra si on n'ajoute pas un petit jeu, je sais pas, de la pêche par exemple, derrière ça. Petit RPG de pêche. Ils ont enfin fixé le bug qui m'empêchait d'y jouer. Bref, merci d'avoir suivi en tous les cas ces lives sur Shin Megami Tensei 5 Vengeance avec moi. J'espère que ça vous aura plu.
Si tel est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, des petits pouces sur les rediffusions qui composent la playlist, voire un petit abonnement à la chaîne. Si les vidéos qui sont dessus vous plaisent, évidemment, on retournera très bientôt aussi sur Dot Hack Volume 2, et après on enchaînera certainement sur Xenoblade Chronicle X. Ça va être long, mais on va alterner avec un autre jeu. Bref, c'est pour très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao, bye bye.世界の始まりにあった悠久、その安寧を混迷の世にもたらさん。この始皇天と創生の王座、その全てを包むゆりかごは今ここに。 これまでとこれからの全ての世界を、この無限大の宇宙に育みましょう。そこはあらゆる理想が叶う場所、何者も否定されない理想郷となるでしょう。